Nous avons la chance d'avoir en live dans le studio d'RTL, un petit studio, mais elles sont venues en force, et Julie Zenati et Chimène Badi, accompagnées de leurs musiciens que je vous citerai tout à l'heure. Et la chanson, c'est Zina. Quatre lettres dans ta main signent ton chemin. Fais de ton devis, tu es partout chez toi. Petite fille née ici, de parents d'ailleurs, ma bonté. Que la vie devant toi mélange rêve et langage. Hey Zina, emmène avec toi, ici ou là-bas. La liberté dans tes bras, yeah, Zina, deux voix vivent en toi, jamais prisonnière, jamais nulle part étrangère. Ton image et laisse l'écume des vagues en caresse. Portée comme une broche à ton cœur, prénom d'oiseau migrateur. Ici, là-bas, Paris, rien ne doit être interdit. Répète la lumière des rois dans le ciel, tu décides. L'héritage n'a pas de loi de te terrasser. Bonheur, Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Gérard Hernandez, qui est le grand schtroumpf, c'est-à-dire le grand schtroumpf de cette émission. Oui. Et nous retrouvons Julie Zenati et Chimène Badi, qui nous ont enchanté avec Zina. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. J'aimerais qu'on donne le nom, si vous le voulez bien, Julie, des deux musiciens, le violoniste et... David Nolin et Jean-François, voilà, qui nous accompagnent dans cette version acoustique avec Chimène. Bah, très bien, merci. En tout cas, vous venez d'interpréter Zina, ici ou là-bas. C'est le single de l'album Méditerranéenne. C'est l'histoire d'une petite fille qui pourrait être celle que vous avez été, parce que vous êtes à l'origine de ce projet Méditerranéenne, dans lequel alors, on retrouve Slimane, Enrico Macias, Claudio Capeo, Elisa Tovati, Sofia Issaidi. Cet album, c'est quoi? C'est un voyage? C'est un message? C'est une parole et c'est un voyage. C'est d'abord présenter toutes les cultures du bord de la Méditerranée qui se sont mélangées, qui ont partagé, qui se sont enrichies de par leur itinérance pour arriver finalement jusqu'ici et puis faire de la France ce beau pays divers, curieux et riche de toutes ces cultures. Mmh. Et cet album, oui, pour nous toutes, c'est à la fois un voyage, mais c'est aussi une parole de femme, de mère et de jeune fille qui avons eu la chance de vivre une adolescence en toute mixité. Mmh. Et voilà. Mmh. Alors comment vous avez choisi, alors après vous me direz comment vous avez choisi les chansons, mais comment vous avez choisi les interprètes? Il y a Chimène Badi à vos côtés, je crois que c'est la première que vous avez contactée parce que vous connaissez depuis au moins 15 ans. Oui.
Oui. Alors, au-delà de l'amitié que je lui porte et du grand respect que j'ai pour l'artiste qu'elle est, c'est aussi pour la femme qu'elle représente, cette méditerranéenne pour moi, forte, fière et en même temps très pudique. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à ce projet, pour moi, c'était inconcevable de ne pas partager ça, puisque toutes les cultures méditerranéennes sont avant tout basées sur le partage. Et donc, le premier visage qui m'est venu, c'est Chimène. Et les autres sont venus naturellement aussi. Après, j'ai appelé d'autres amis. Donc, j'ai appelé Elisa, j'ai appelé Sophia. Et puis, j'en ai parlé avec Rose qui me dit, moi, j'adorerais. Et puis ensuite, j'ai été chercher des voix de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, le bouche à oreille m'a amené jusqu'à Nawel Ben Krayem, Samira Bramia, Kabra Kazeh, qui sont trois artistes. Qui porte aussi une double culture. Et c'était très, très chouette de travailler avec toutes ces jeunes femmes. Et vous, Chimène, alors vous avez tout de suite dit oui. Ça vous a touché, le projet de Juiz Nati? Oui. En fait, quand elle m'en a parlé, c'était un moment particulier puisque c'était le jour de son mariage. Elle était très, très pressée de m'en parler. Et elle n'avait pas d'autres sujets de préoccupation. Non, mais il y a aussi ça qui est beau. C'est justement l'engouement qu'elle avait autour de ce... Oui. L'engouement qu'elle avait autour de ce projet était particulièrement touchant. L'idée m'a plu. Je partage évidemment les mêmes valeurs. Ben oui, vous avez des parcours un peu... similaires. Semblables, ouais, oui. Voilà. Oui. Et donc, ça, l'amitié que je porte à Julie. Et puis... Et puis l'amour que j'ai pour la musique, le chant, qui font que ben j'ai dit oui, bien sûr. Alors ces chansons sont incroyables parce que en fait ça va, on peut parler de voyage parce que ça va de Bob Azam à Paolo Conte, Souchon, Macias, tous ces artistes qui ont participé. Mais c'est des reprises, hein. C'est des reprises, c'est incroyable, c'est très éclectique en fait comme choix. Oui, enfin c'est éclectique et c'est aussi adapté à chaque chanteur. Et à chaque identité de chaque chanteur, parce que l'idée c'était pas d'amener des gens dans un projet, c'était qu'ils ramènent leur héritage dans ce projet aussi. Donc à un moment, quand on se dirige par exemple pour Slimane vers Mon ami la rose, qui est une chanson que Natacha Atlas avait déjà reprise avec brio, c'est parce que lui, il avait envie de rendre hommage à la femme de cette manière là. On rend hommage entre guillemets à l'Italie au travers de Claudio avec Sparring Partner et Paolo Conte, parce que voilà ce que la voix de Claudio s'adapte tellement à ce type de chanson là. Et puis après, j'avais quand même une envie de faire redécouvrir d'autres musiques, enfin voilà, telles que Mustapha ou quand vous parlez de Bob Azam, parce que c'est la première chanson qui a été un tube. C'est pas le couscous. Fais-moi du couscous, chérie. On a parlé hier. En fait, au-delà du couscous et du côté un peu caricatural de la chanson, c'est quand même la chanson qui, dans le Moyen-Orient, a été un tube dans tous les pays. Oui, c'est vrai. Et ça, la symbolique, moi, je la trouve très belle, c'est-à-dire aussi bien en Turquie qu'en Égypte. Au Liban, et c'est une chanson qui est un hymne de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est un beau message, quoi. Et puis il y a la Maritza, enfin il y a des chansons superbes, et si en plus il n'y a personne, parce que un beau message de Souchon, vraiment... Quel texte incroyable. Incroyable, absolument. En tout cas, bravo, c'est un très très bel album, Méditerranéenne, on était ravis de vous recevoir toutes les deux. Chimène Badi, vous préparez un nouvel album, je crois. Oui. Vous viendrez nous en parler. Oui, bien sûr, je viens de vous en parler avec grand plaisir, évidemment. Très bien. Bon, ben, on vous réinvite tranquillement. Très bien, on vous réinvitera dès qu'il est prêt. Et Julie Zenati, Chimène Badi, merci.